Les accusations du président ukrainien envers la Russie, Alexandre Tourtchinov, a mis aujourd'hui les violences meurtrières survenues dans les villes de l'est du pays sur le compte d'agents du Kremlin. À Kharkiv, cette nuit, deux personnes sont mortes lors d'une fusillade entre nationalistes ukrainiens et militants pro-russes. Cinq personnes ont aussi été blessées. Sur ces images, un groupe de militants encercle un bâtiment dans lequel, selon eux, sont retranchés des membres du groupuscule d'extrême droite ukrainien Pravi Sector. Notre équipe, elle-même, a fait l'objet d'intimidations. À Donetsk, également, des incidents violents ont éclaté entre nationalistes ukrainiens et militants pro-russes. Ils ont causé la mort d'une personne. Les autorités ukrainiennes ont demandé aux populations des villes russophones de l'Est de ne pas céder aux provocations que la Russie pourrait utiliser comme prétexte pour justifier l'envoi de ses troupes.